Coucou tout le monde. Je vois, je clappe des mains. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. En tout cas, enfin, moi je vais bien, toi je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui change d'habitude. Au pire, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Je vais faire un haul, voilà, j'espère que tu vas kiffer et me voir à poil. Non, je rigole. J'ai bientôt mon nouveau micro, donc normalement les bruits de fond, etc., ça devrait plus y être, sinon je les éclate. Du coup, on va faire un haul chain de pas un colis, ni deux colis, ni trois colis. Non, en fait, si, trois colis. Voilà, lui il est plus gros que mon avenir. Voilà, j'ai pas d'avenir, c'est facile. Donc il y a trois colis, je sais pas pourquoi. J'ai pas tant à acheter que ça. Voilà, il y a eu des promos et tout, moi les promos elles m'ont attiré. Avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, active la cloche. Je te jure, il y a des trucs de fou furieux, des trucs de baiser qui vont arriver. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux aussi, je fais des trucs de fou malade, t'es pas prêt. Voilà, je fais toujours des trucs de taré de toute façon. Donc on va commencer tout de suite. Je vais ouvrir le colis, donc je pense qu'on va commencer par le gros colis parce que j'adore tout ce qui est gros. C'est genre... Il est vraiment lourd, hein, les gars. Non, il n'y a pas de couverture facile. Ah, wow. Putain, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Oh, regardez, ouais. Je sais pas par où je les compte. C'est pas possible, il y a quelqu'un, il a piraté ma carte bancaire, là. Et il me l'a envoyé, genre. Ouais, mais... Eh, mais il y a trop de... Mais j'ai acheté ça. Attends, non, il y a un problème, là. Ah non, il n'y a pas de problème. Oh, après, c'est dinguerie. Bon, ce haul va durer littéralement, genre, 4 heures. Je vais ouvrir ceux-là aussi, comme ça, on va faire tout aux affilés, hein. Ouais, il y a deux articles par sac, je sais pas pourquoi ils les ont séparés comme ça. Je sais que, sans faire exprès, j'ai appuyé deux fois sur un bouton de jean, donc je vais renvoyer l'article. Mais j'ai commandé deux fois ce même jean, voilà, super, vous pouvez me frapper. Vraiment, je l'ai vu, j'étais au bout de ma vie. Ok, donc, du coup, on va commencer directement par les hauts, je pense. Il y en a genre vraiment pas mal, et voilà, t'as pas le choix. Donc premier haut, c'est un truc un peu comme ça. Je comprends pas là. Attendez, je vais essayer. Je vais l'essayer parce que sinon ça va être. Il est pareil que sur la photo, la couleur, etc. Go l'essayer. Hop, je sais pas si j'arrive à faire les transitions. Ok, premier haut, ça donne ça. J'aime beaucoup. Il est très beau, d'accord. En plus, même si t'as pas de sang, ça passe crème. Ça donne ça. Derrière, il est comme ça. Je vous montre pas trop parce que j'ai des boutons. Ça fait très zèbre, voilà, zèbre vert, j'adore. Je valide à 1000%. Ok, on va partir sur un autre haut. Je voulais balancer que le plastique. C'est un haut comme ça, rouge, en S. Je crois que j'aurais dû prendre en XS. Je vois là déjà qu'il va être grand. Ah, pourquoi il y avait un fil dessus. Mais niveau quali, de toute façon, ça passe crème. Ce rouge là, il est magnifique. Ok, voilà, franchement, au calme, il passe crème, d'accord. Il me sert comme il faut, tout ça, tout ça. Juste, j'espère que quand je transpire, ça se voit pas. Parce que, enfin, moi, je transpire beaucoup. On dirait une fontaine à eau, le bail. Donc, oh, est-ce que t'aimes mon haut, mon amour. Wow. Je lui donne 10 sur 10, je crois que j'ai pris le même en une autre couleur. Pareil, j'ai pris le même en vert, donc je vais l'essayer. Parce que j'ai pas du tout de haut vert. Pourquoi ils nous mettent une espèce de papier cul dessus? Donc j'ai pas de haut vert, il est pareil, je l'ai pris en S. Donc je pense qu'il me va autant bien. Je vais l'essayer quand même parce que j'ai envie. Y'a quoi, y'a un problème, tu vas faire quoi? Tu vas sortir d'écran pour venir? Non, tu vas rentrer dans l'écran pour venir me frapper. Ah, il est magnifique en vert. Je le kiffe tellement, waouh, mais... Les deux là, les deux hauts là, c'est mes bébés. Personne ne les touche, d'accord. Je leur fais l'amour. Donc, autre haut, je sais pas c'est quoi. Ah si, j'aime trop, c'est un débardeur comme ça. Bah attends, je vais le mettre, tu vas voir. En gros, c'est un haut qui s'attache comme ça. En fait, je sais pas trop comment on fait. Moi, je l'ai pris en XS. Le débardeur, il me sert pas du tout vraiment. Il est élastique trop bien. Mais là, je comprends pas. On dirait un saucisson de bail. Genre, attendez. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Mais en gros, c'est un truc, tu fais le tour comme ça. Ouais, je pense qu'il faut attacher derrière. Franchement, je valide fort également. Même si c'est bientôt la fin de l'été, je m'en balais que je le mettrai. Même en hiver, il fait moins 10, je le mets. Alors, je lui mets un 9 sur 10. Ensuite, prochain haut. C'est quoi ça? Ah, ouais, bon, ça, c'est un t-shirt simple. Parce que j'ai pas de t-shirt simple. Parce que je suis pas une fille simple. J'ai une teub, donc c'est normal. C'est le genre de truc que t'achètes genre à 10 euros chez Zara. Là, on l'a acheté combien? 10 euros. Donc je l'ai pris en XS. Franchement, il passe crème de ouf. J'aime trop. Il me va super bien. En plus, il moule. Et je parle pas de, tu sais, le truc dans la mer là. Fait ressortir mes abdos. J'en ai pas. Franchement, je lui mets 10 sur 10. Voilà, simple, basique à avoir en toutes les couleurs. Ok, prochain haut. Lui, il a l'air trop beau, de fou. Mais ça, c'est à mettre l'été et c'est bientôt plus l'été. Donc, oh my god, la matière, elle est trop bien. C'est ça. Il ressort ben, jaune, comme moi, du coup. Donc c'est un haut qui se verra pas forcément sur ma peau. Par contre, j'ai l'impression qu'il est transparent et que vous allez clairement voir mes tétons. Soyons fous. Je suis assez sceptique, je sais pas quoi en penser. Il est beau, sauf qu'en fait, j'aurais peut-être dû prendre S, mais sans, même si j'en ai pas, on les voit, donc c'est pas normal. Mais je pense que je le mettrai parce qu'il me va quand même. Puis j'aime bien quand on voit mes seins, je suis un peu nudiste sur les bords, donc vas-y, go le mettre. Donc celui-là, je lui donne, allez, 7 sur 10. Ok, prochain haut, oh my god, lui là, pépite, je sais pas, je mets jamais des trucs comme ça. Et en fait, je l'ai trouvé archi beau sur la dame.
Ah merde, j'ai fait une marque dedans. Et du coup, je l'ai pris en XS. Je pense que la taille, elle va bien aller là. Ça a l'air vraiment beau sur moi, mais seulement sur moi. Venez, l'achetez pas, il y a que moi qui l'ai, genre. Oh my god, il est trop beau. Il est peut-être un petit peu serré au niveau des manches. Par contre, avec les coutures là, les gars, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent me dire « Ah, Lise, t'as mis ton à l'envers !» Je te démarre. J'aime beaucoup, ça change de ce que je mets. Putain, je vois rien. 10 sur 10, j'aime trop. Juste, j'aurais dû le prendre en S parce que je me sens un peu serrée sur les bras. Genre, je peux bouger. Attends, je fais des tests. Ça va, mais il remonte un petit peu. Ok, donc prochain haut. C'est quoi ça? C'est un haut? Ah, lui, il a l'air trop beau. Oh là là. Oh. Attends, faut que je le revoie. Oh, je l'ai pris en S. Lui, je pense, du coup, je vais pas être serrée dedans, mais... Oh, faut que j'essaye, faut que j'essaye. Oh là là. Du coup, tu déboutonnes. Ah, t'es nu en saut et tout. J'aime beaucoup juste la couleur. J'ai l'impression qu'elle est pas pareille que sur le... Elle est exactement pareille, j'ai rien dit. Il y a des replis là pour faire genre t'as des grosses, tout ça. De toute façon, tu peux mettre avec un soutif. Et franchement, j'aurais pris XS, ça aurait été trop petit. Parce que là, déjà, niveau des manches, ça sert un peu, mais ça va. J'adore, ça fait très, très porno des profs. Hein. Prochain haut, du coup, je sais plus c'est quoi. J'ai pris que des basiques, là, ça va être que des débardeurs. Donc le premier débardeur, c'est un truc tout simple. Voilà, tout noir comme ça. Ok, donc débardeur archi simple. La matière en plus, elle est agréable. Elle est un petit peu lourde, mais franchement, ça va. C'est une matière où, du coup, vos tétons ils ressortent pas. Donc, trop bien, tu peux pointer, avoir froid et être excité, ça se verra pas. Prochain débardeur, donc c'est le même. Ah, la matière elle est archi chelou. Ah, mais wesh, les bretelles c'est pour me tuer, les gars. On dirait des trucs pour se curer les dents. C'est super élastique. La matière elle est archi bizarre, c'est genre du velours un peu. Ok, donc en vrai, ça passe. Mais du coup, juste le fait que voilà, ça part, je valide à moitié quand même. Ah! Je me suis fait mal. Voilà, j'ai pris le même en marron en fait, c'est exactement le même. Voilà, j'ai la flemme de le porter. Et je valide également. Par contre, la couleur elle est archi belle. Putain, dirais moi quand j'ai la diarrhée. J'aime beaucoup. Donc je leur mets genre 8, 8,5 sur 10, juste parce que les bretelles c'est archi chelou. Et que si on te fait ça, tu meurs clairement. Je vais avoir une trace. Je me suis fait trop mal. Avant dernier haut. Ouais, attends, j'en ai un autre plus facile. C'est celui-là. Donc c'est un truc juste tout que tu mets comme ça. Donc attends, je vais vous montrer. Voilà, donc je l'ai pris en XS. C'est un truc tout simple comme ça. Pourquoi écrire? Et en plus, je pense que en vrai, je pense que tu peux le croiser. Hein. Genre, si tu le croises dans ton. Genre, au lieu de passer comme ça, tu le passes comme ça. Au lieu de le passer comme ça, tu passes comme ça. Non, je pense que tu peux pas, genre. Ah! Oh. Ah ouais, non, non, fais pas. Ah ouais, non. Oh, sa mère. Du coup, on va passer au suivant. Ok, donc je crois que j'ai trouvé. Il me semble que c'est censé faire un truc comme ça. Je suis pas sûre de mon coût, de toute façon je vous mets la photo. Je me suis dit, ah 5,49€, c'est pas cher pour un haut classe. Frère, c'est tout un stratagème pour le mettre, c'est bon. Donc en gros, en fait, tu reçois un morceau de tissu et c'est toi-même qui mets ça, qui le fait passer par là, là. Franchement, il est beau, mais vas-y, c'est trop relou à mettre, genre tu mets pas ça dans la rapidité et tout. Donc je mets 7 sur 10, ça m'a saoulé de ouf et j'ai envie de défoncer tout le monde maintenant. Ensuite, on va passer aux ensembles et aux robes. J'ai un ensemble et une robe, donc en termes de robe, j'ai ça. Oh putain, elle a l'air super transparente. Genre, et je l'ai pris en S. Je sais pas si du coup ça va être trop grand ou pas. Alors j'aime pas du tout, on dirait la nappe de ma grand-mère. Et en plus du coup là ça fait un truc chelou. Donc j'aime pas. Je sais pas ce qui m'a pris de prendre ça, on dirait vraiment des rideaux ou une nappe. En fait, j'ai pas l'habitude de mettre des choses comme ça. Je sais pas ce que je dois en penser. En plus j'aurais dû prendre XS parce qu'elle me colle pas trop. Du coup elle est un petit peu... Voilà, elle baille un petit peu derrière. Voilà, c'est pas grave, je vais tout de suite enlever parce que on dirait vraiment on va manger sur moi, genre. Je vais passer à un ensemble du coup. Je l'ai pris en XS, c'est un pantalon avec un haut qui va ensemble. Donc le haut, c'est un truc normal comme ça. En fait, le pantalon, il est trop beau. C'est un pantalon pas de def comme ça en bas. En XS, il est parfait, les gars. J'aime trop. Regardez, je vais vous mettre. C'est bizarre de mettre les gens là. Ouh, ce golden ourd. Il est trop beau, il est trop beau. J'aime vraiment trop, genre. Il me va nickel, pile poil. Ça me fait tard le cul de fou. Malade. Putain, j'ai le cul des Teletubbies avec ça. T'es tellement à l'aise dedans, t'as l'impression d'être dans un pyjama, genre. Avec ça, t'es prêt à dormir, genre. Du coup, voilà, c'est fini pour les ensembles. Je vais passer au jean. J'ai pris, genre, 3 jeans et un jogging. Donc, je vais tester le jogging avant. Donc, le jogging, j'ai pris blanc. Ah, ça pue. Ça sent le fiac. Il a l'air archi beau et pas transparent du tout. À la fin, ça fait ça. Et moi, j'aime bien quand ça fait ça. Donc, j'espère qu'il va me faire un gros cul. Sinon, je valide pas. Ah, vous êtes pas prêts. Il est trop beau. C'est mon nouveau jogging préféré. J'adore. Oh là là. Oh. Oh, ce fiac de qualité. Non, c'est faux. Il me dit, je me suis chié dessus avec ce jogging. Du coup, on va passer aux 3 jeans. Mais frère, il m'a frappé le jean. Je l'ai pris en XS sur la photo, il est trop beau, mais là j'ai l'impression qu'il est pas pareil. Je reviens tout de suite, j'espère qu'il me va. De toute façon, sinon je coupe, hein. Moi je coupe mes jeans, moi je m'en fous. C'est moi qui les ai fabriqués, donc... Franchement, j'aime trop. Juste moi pas avoir réussi à attacher le bouton, parce que moi avoir des ongles de pétasse. Je pensais qu'il serait justement un peu trop grand, mais niveau longueur, il est parfait.
Parfait, c'est bon. Franchement, j'aime trop ma tire, tout ça, et il est quali. Attends, je vais me poser là pour parler. C'est pareil, en tout détail, je fais du 34 et je l'ai pris en XS. Et il est parfait. Prochain jean, donc lui, je sais pas s'il va m'aller. Oh là là, un jean marron, les gars. J'aime trop. Oh, il est trop beau, il a des finitions trop belles. Je l'ai pris en XS. Alors, il y a plusieurs points positifs et négatifs. Point négatif, il est trop grand à la taille. Je suis obligée de mettre une ceinture. Point positif, niveau longueur, il est bien. Point positif, il me fait une tub. Du coup, je me ferai pas emmerder par les mecs. Regardez, il est... en vrai, il est beau. Il est beau. Mais il est trop grand là, mais il est beau, j'aime bien. J'aime beaucoup. En plus, niveau longueur, ça va, il me va. Putain, il fait un cul de fou, ou alors c'est le mien qui est fou. Ok, donc dernier pantalon avant de passer aux accessoires. Donc ça, je suis un peu réticente parce que je mets jamais ce genre de pantalon. Donc c'est en taille basse, il est trop beau, c'est en pâte def. Du coup, je l'ai pris en S celui-là par contre. La couleur, j'aime beaucoup. Il sent pas le fiac, donc ça va. Il est tarpin beau, il me va niveau longueur, il me va trop nickel. C'est une pépite ce truc. Voilà, il est trop beau, il me va nickel vraiment. Et c'est vraiment en taille basse, donc on peut voir mon... ventre musclé, j'aime trop, il est trop beau. Voilà, je valide avec validation validée. Il est archi confortable vraiment et il fait un taille de gros cul. Il me reste juste les accessoires parce qu'en fait mon lapin il m'avait graillé mes ceintures, donc trop bien. Première ceinture, tac. Elle est comme ça. Attendez, il y a le film plastique. J'aime trop, devant il est trop beau. Et en fait c'est pour mettre avec un blazer. Par contre je comprends pas comment ça se sert. Parce qu'en gros là t'as que des boutons comme ça. Point négatif les gars, vraiment genre. Voilà, en gros c'était pour mettre là avec une veste et que ça sert. Mais ça sert pas tant que ça hein. Ouais, elle est belle mais du coup c'est pas vraiment une ceinture. Il n'y a pas plusieurs attaches comme ça, il y en a que une. Ensuite, prochaine ceinture. Donc c'est genre une ceinture à lacets. Elle est trop belle. Oh là là. Et là pareil, vous voyez, il y a des trucs comme ça. On dirait une ceinture de catch, wesh. J'aime trop. On dirait vraiment je vais faire du catch. En plus on peut la resserrer parce que du coup c'est à lacets. J'avais des trucs comme ça. Oh ça j'aime trop. Je kiffe trop. C'est des espèces, des gants longs simples unicolores. Genre en gros tu mets ton truc là. Oh là là, j'aime trop. Je me fais l'amour à moi-même. J'aime trop, voilà. Et dernier truc, c'est une banane. Je parle pas de ma queue. Alors j'ai peur avec ce genre de truc que ça soit trop grand pour moi. Je peux carrément passer mon bras tellement elle est grande, non? Elle est pas trop grande en vrai. Eh, tu veux du shit? Elle fait la taille de tout mon torse. Mais t'inquiète, ça passe crème. Il y a deux poches. De toute façon, on sait tout ce que je vais mettre dedans. Des chats, hein. Qui veut venir le ranger avec moi, s'il vous plaît? Bon du coup voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, il y a intérêt, hein, sinon je te frappe. N'hésite pas à lâcher un pouce, tout ça et tout ce qui va avec et tout. A plus pour une prochaine vidéo, très bientôt. Bisous !